Baudin vous renvoie l'univers fascinant d'Yves Beauchemin, le matou. Avec de la tendresse et du mystère. Je sais que vous aimez les restaurants et que vous rêvez d'en posséder un, n'est-ce pas vrai? Tu vois bien que ça n'a pas de sens, que ça se tient pas ton histoire, je veux dire. Un homme qui surgit nulle part comme ça, puis qui t'offre un restaurant, puis toi t'accèdes. La vie de ce couple heureux sera bouleversée par Rata Blavatsky qui lance Florent dans une incroyable aventure. C'est beau, hein? Garde! Émile, on peut pas garder ton show au restaurant. Je m'appelle Monsieur Émile. Eh bien, Monsieur Émile, vous aurez la bonté d'éloigner de moi votre matou. Sinon, je le transforme en civet. Je t'aime, Élise. Moi aussi, je t'aime, mon petit caribou. Monsieur Émile s'en va avec son vieux chat dans ses bras. Il est le monseigneur du coin. Vivre libre. Quelle merveille. Mais non, libre, c'est peut-être encore mieux. Cet homme me fait frissonner comme une vieille femme. Cet homme porte en lui la peste bubonique. Ok, c'est pas le temps. Comme Pico l'a si bien deviné, une terrible menace risque de ruiner Florent. Monsieur Émile ? Impénétrable. Émile ! Car l'ennemi a pris un visage insoupçonnable. Et l'intrigue connaîtra des rebondissements constants. Ces deux-là, on est bon pour les sauter en dedans d'une heure. Profitant des distractions terrestres de certains et des leçons d'anatomie de d'autres, le sort venge étrangement Florent. La cuisine est pleine, il y en a partout! Du loufoque, de l'amour, du grotesque, de l'humour, de la comédie et du drame, dans Le Matou. Soupe aux choux à la vin comme je te pousse! Secondo, boulette de viande à l'anglais! Crapule! Ordure pestilentielle! J'aurais envie de te faire sauter un œil avec la pointe de son couteau. Je reviens avec un chèque certifié et tout signe un petit papier. Par contre, si vous vous obstinez. Entre ciel et enfer, dans l'orage qui se déchaîne, on se trouve, on se perd, on se fait de la misère. La chambre à coucher, c'est trop bien, juste à côté. J'ai jamais vu un spectacle aussi calamiteux. Le matou, un événement social, est le moment tant attendu de venir rencontrer les personnages qui peuplent votre imagination. Plus vrai qu'un film, Le Matou vous attend.